Bonjour et bienvenue à notre célébration en ce vendredi 13 octobre. En ce jour, nous continuons de prier pour la paix dans le monde, pour la réconciliation. Et nous offrons cette messe en honneur de l'Esprit Saint. Chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la faveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessous tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Joël. Prêtre, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réussissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur, votre Dieu. Criez vers le Seigneur, ah, jour de malheur, le jour du Seigneur est proche, il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du cor dans Sion, faites retentir la clameur sur la montagne sainte. Qu'ils tremblent tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur, il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui a envahi les montagnes,
Voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil, et il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Dieu jugera le monde avec justice. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Dieu jugera le monde avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu. Leurs pieds se sont pris. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège le Seigneur à jamais. Pour juger, il affermit son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Beelzeboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si certain, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites, en effet, que c'est par Beelzeboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Beelzeboul que je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne ressemble pas avec moi disperse. Car l'esprit impur est sorti de l'homme et parcouru des lieux arides, et en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il l'a trouvé balayé et bien arrangé. Alors il s'en va. Il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin
qu'au debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En écoutant la première lecture et l'Évangile, peut-être nous avons de la difficulté à saisir le message. Ou peut-être nous sommes venus ici ce matin en cherchant des mots d'espérance, des mots pour nous aider à passer une belle journée et une belle fin de semaine. Mais voilà, dans la première lecture, l'auteur dit que le jour du Seigneur est proche, tandis que l'Évangile nous parle du démon, la division, le mal. Où est la bonne nouvelle? Il faut comprendre que les foules ont vu en Jésus un prophète extraordinaire. Jésus est un guérisseur. Les malades le retrouvent la santé. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent. Pour les foules, Jésus n'est pas un magicien, un médecin. Il y avait quelque chose d'extraordinaire en lui, un don qui vient de Dieu. En effet, ils ont reconnu en lui l'Esprit de Dieu. Dieu est avec lui. Après avoir été guéri, les gens ont témoigné partout de ce Jésus. Ils ont cru en lui et beaucoup l'ont suivi. Ces personnes ont été exclues de la société à cause de leur maladie, leur infirmité, ont retrouvé leur dignité, leur place dans la société. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont été prêts à accepter cette bonne nouvelle. Quand Jésus a pardonné les pécheurs, quand il a expulsé les démons, alors beaucoup ont critiqué Jésus comme un possédé. Seulement Dieu peut pardonner. Et d'autres ont dit, c'est par Beelzebul, les chefs des démons, qu'il expulse les démons. Et les gens commencent à demander des signes venant du ciel pour mettre Jésus à l'épreuve. Dans l'échange avec eux, le Seigneur veut les faire comprendre que si lui, par le droit de Dieu, expulse les démons, c'est une bonne nouvelle que le règne de Dieu est venu jusqu'à eux. Alors, quelle est la bonne nouvelle pour nous en ce jour? D'abord, il faut l'admettre que le bon et le mal existent dans l'être humain. Et malheureusement, trop souvent, nous voyons que le mal domine la personne. Mais Dieu nous aime et le Seigneur nous invite à changer. Jésus veut nous guérir, de nous libérer de ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie comme enfants de Dieu. Et cette vie est une vie de sainteté. Alors oui, nous sommes invités par Jésus à devenir des saints, des saintes. Croyez-vous cela? Tout est possible pour Dieu. Il faut lui demander la grâce de son Esprit Saint pour grandir dans la foi, pour le suivre par toute notre vie. Jésus vient à nous encore aujourd'hui dans sa parole et dans l'Eucharistie, son corps et son sang. Présentons-lui nos prières pour notre monde tellement divisé et blessé. Que son Esprit Saint vienne changer notre cœur. Et prions pour ceux et celles qui cherchent une guérison et d'être pardonnés. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous rappeler, de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus notre Rédempteur, un nouveau lien de charité si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les êtres humains, en se livrant davantage à l'Esprit-Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innumérables du ciel, pour magnifier la puissance de ton amour, dans la joie de notre salut, et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu du vivant, hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu du vivant, hosanna au plus haut des cieux. Si la terre comme au ciel, toi qui es vraiment saint, toi et tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous aussi, nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand de nos amours. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sous le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre le ciel et la terre, le signe indéliable de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier avec en lui par son sang rompu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta résurrection, nous attendons ta venue dans le royaume. Faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec lui. Regarde avec bonté, Père très amant, ceux que tu as attirés à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Claude. Aide-nous à partager ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saint parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs de faim, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chantons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté se complisse, donne-lui toujours cette paix. » Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève.
lave le péché du monde. Habitue-nous, Seigneur, prends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement par et je serai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Chantons ensemble à la Vierge Marie. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants. Ici Nelson Sergery, bienvenue dans La Boîte Noire. La Boîte Noire, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous d'une heure avec une personnalité de la côte de Gaspé, que ce soit culturelle, sociale, politique, où on prend le temps de discuter et de voir les choses sans aucune limite, sans aucune barrière. Je vous donne rendez-vous très bientôt à l'antenne de Télé-Gaspé pour La Boîte Noire. Pour des émissions reflétant le talent et les aspirations de notre jeunesse, pour offrir un tremplin aux jeunes via l'expérience télévisuelle, pour les accompagner et leur permettre de s'exprimer via notre média, pour permettre à ces jeunes de demain de rayonner dans leur communauté et même à travers le monde, pour qu'ils prennent leur place dans vos télés locales, pour qu'ils vivent une expérience hors du commun, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous!